ça commence, on décolle pour le Maroc, on est le 8 juin et on va se faire la fête. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez bienvenus au décollage dans quelques instants. Capricote et Composition. Voilà, on est lundi 9 juin, on est dans la chambre. Allez, notre chambre. Voilà. Voilà. Et voilà, notre salle de bain. L'eau, on a de l'eau chaude, on a de 8h à midi et de 18h à 20h. C'est restreint. Comme à la Guadeloupe, je lave le linge. Allez, monsieur Chex, c'est passé. Non. La gazelle, filmez là-bas. La gazelle, toi là-bas. Toute la mer. Non, il y a un tiers nègre. Arrête. Voilà, oui, la fois, la fois. Je donne déjà à lui la baraka. La photo. Non, c'est bon. C'est bon. Vous laissez partir, venez. Où est le bébé? Merci. Ah. Attends. Et Fabien, il a pris un couscous aux légumes.
Voilà. Avec la terre cuite. Le patate. Et la... Yeah! La place du Jemaa el-Fna. C'est très beau. On est le deuxième jour au Maroc et on a une super averse, c'est génial. Alors voilà. Il y a déjà du monde, hein? Ah, c'est parce qu'il est 10h déjà. Ah, c'est pour ça. Oui. Et il se couche tard quand même. Ah, la sieste. Ah, d'accord. Oh, ben tout à l'heure quand on arrivera à la place. Et on va pour visiter l'opéra. Tu vas voir d'accord. L'opéra. Ouais. Un grand théâtre des Oh là là, oui. Mais les remparts. Voilà. Ça, c'est à faire. Ah, les jardins. Ah, c'est beau, c'est bien entretenu. Ah oui, c'est beau, attention. Il y a quelque mieux que ça. Ah ouais. Oui, il y a des entrées. Je veux montrer. Ah oui. On passe pas. Vous visitez le Pamoussadi? On l'a pas fait encore, non. Jeudi 12, deuxième chambre. Je crois que c'est la, pour l'instant c'est la plus belle. Mmh. Petite mais belle. Voilà. En plafond. Grand lit. Attention. Voilà. Voilà. La chambre. C'est pas fini par les volets, ça. Alors il y avait deux petites marches là, c'est rien. Une, deux, trois. Et la douche au fond. C'est joli ça. Hein.
on les a construits quand même dans la montagne. Et les tours qu'ils faisaient pour se protéger. Warzazat. Des oliviers. On est dans le jardin La Ménéra. Énorme jardin d'oliviers. Énorme jardin. Qu'est-ce qu'il y a? Des citrons. Ah, une Fakma. Fakma! Allo, chauffe! Qu'est-ce que tu fais avec les pieds? Alors c'est un jardin de 250 hectares, un peu petit pour moi. C'est pas vrai. Il fait bon. C'est bon. Là, on est encore à la grande palmeraie, là, à la Ménéra, ça s'appelle. Voilà les palmiers, aqueduc. Les oliviers, les aqueducs. C'est vraiment agréable parce qu'on peut se tremper les pieds. Et là, aujourd'hui, on a de la chance, on a du vent. Encore un palmier, que des palmiers. C'est vraiment super. Alors là, il y a le grand mur, mais après on va aller à l'intérieur parce qu'il y a un très grand bassin. Le manque de peau, je ne pourrais pas rentrer dedans. Pas bien, là-bas il y a un merle. Un merle? Où? Il est caché. Un merle? Là, il y en a un. Encore un merle? Non, ça c'est une ménate. Une ménate, oh! Regarde, hop, hop! Tu as pas vu. Ah voilà, maintenant on est à l'intérieur. Et voilà le grand bassin. C'est dommage, il n'y a pas de nénuphar, il n'y a pas de poiscaille.
intérieur de la maison, sans commentaire. Sans commentaire. Dessin principal de la pièce, donc c'est un carré un peu plus grand. Ménara. À l'intérieur. Elle a dit ça, ressentez que c'est beau. Ben Fabien, si tu savais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est trop trop beau. Ah ouais, c'est magnifique. Alors on a changé du jardin de Ménara. La Ménara. La Ménara. Alors là on est au palais Abdel. Abdel. Oh, un palais, ouais. Un palais, palais. Qui a été détruit par un sultan pour prendre tous les bijoux, le marbre. Et c'est ce qui reste. Et les cigognes. Là, il y en a une qui vole. Tourne. Une cigogne. Voilà, il faut qu'on vienne au Maroc pour voir des cigognes. Plein de cigognes. De partout, c'est que des cigognes. Ça y est, Fifi. T'es prise en photo. Sabia, elle était donc à la porte. Et regarde un peu si c'est pas beau ça. Regardez-moi ces escaliers. On sait pas où ils s'arrêtent. Hein.
prière de 4h, 5h. Ça, c'est notre troisième hôtel. Hein? Oui. Le petit lit où j'ai dormi là, une table, deuxième petit lit. Jemaa El Afna, ça c'est le matin, il est 9h30. Cinquième jour, il pleut. Alors là, on est dans le jardin de Agdad. Agdad. Voilà. Exactement ça. Mais bon, il pleut, mais c'est pas froid. C'est agréable. Ça nous lave.